des artistes ont fait le voyage de Bruxelles à Lille pour célébrer l'amitié franco-belge. Un trajet en train troubadouresque où nous avons été à la rencontre des Pandienki, 5 musiciennes qui vont vous enchanter avec leurs harmonies mélangeant des musiques de l'Est, des percussions afro, des chants tziganes, hébreux et polonais. Parti de Lille ce matin aux horreurs. Il était le milieu de ma nuit. C'était terrible. Dans des petites gares, on fait des arrêts, des rencontres avec les musiciens qu'on ne connaît pas. C'est ça qui est vraiment chouette. Il y a environ, moi je dirais 5-6 ans à peu près, je pense que Noémie et Clémence, elles ont formé un joli duo qui s'appelle les Mamzelles, si je me souviens bien. Clémence est venue me voir, on s'est connus comme les amis. Elle m'a proposé de faire la musique ensemble tout simplement. Et donc on a commencé à jouer un peu les chansons tchèques, un peu les chansons polonaises, un peu ce qu'on avait envie de jouer. Et puis Noémie, finalement, elle s'est dit, même si je habite à Paris, j'aimerais bien quand même participer à ce projet. Du coup, on était trois. Ensuite, on a trouvé une magnifique contrebassiste qui s'appelle Jeanne. Du coup, on était quatre. Et après, on a trouvé Solo. Solo, qui ajoute encore une autre couleur dans ce qu'on fait. Mais il faut dire que tout d'abord, on est toutes les amies. Festival de Wasm, ça va être un feu d'artifice. On va passer de l'Europe à l'Amérique du Sud. Ça va être un bon voyage.